Je suis Anne-Marie Laurès, je suis céramiste. Artistique en effet, pas des choses utilitaires, mais je suis un sculpteur avec des pots tournés sur le tour et cela est un aspect très spécifique. Je suis tombée amoureuse de la céramique par des formes tournées sur le tour, des simples objets. Avoir un boule de terre et puis faire un récipient avec, c'est très essentiel pour moi. Donc il n'y a pas un jour sans la terre pour moi. Tourner est une manipulation de la terre qui est très riche, je trouve. On a un contact intense avec le matériau et il faut être très concentré pour faire ça. Les déformations dans les contenants de mes pièces sont des déformations qui font des expressions qui vont pousser, brusquer, utiliser des plaques pour renforcer. Donc ce sont des expressions de fermeté mais aussi de gentillesse. Donc c'est une tout outillage de travailler avec pour arriver à des sculptures. Et le jeu des sculptures est un jeu de chercher des frontières, aller plus loin que le corps d'un contenant. Comme ça, le joli pot devient quelque chose de plus grotesque, plus expressif en effet. Ça donne une expression, hein. C'est une composition, comme on a pour le poème, par exemple, on a des différents mots et moi j'ai pour mes sculptures mes différentes peaux. Et on cherche la communication entre les différentes formes déformées pour que ça donne une expression en totalité. Et parfois ça se passe assez vite, parfois c'est une lutte de semaines, parfois de commencer, recommencer, ajouter, réajouter, couper, refaire et tout ça. Ici, tu vois en effet le jeu des lignes, des parois. Je veux encore aller plus loin, je veux encore faire des plus grandes formes en coopération avec mon compagnon de vie aussi. Donc on ne sait pas où on va arriver parce que c'est toujours par petits pas qu'on a une évolution. On découvre, c'est comme des explorateurs. Je me sens comme un explorateur, oui, c'est ça. Pour moi, ma vie est All for Ceramics, c'est ça.